Alors, ces petites tours là, il y a souvent des voleurs. C'est pour ça que je vais m'en approcher tranquillement. Ah, mais t'es déjà là, Lydia. Ah, d'accord. Oh, je t'ai raté. Le coffre. Tiens, on n'y voit rien avec toutes ces armes. Et lui, il est où? Chef Sprigand. Une racine d'oreille, super. Tout ça pour ça. Eh ben. Trop de végétation pour y voir, de toute façon. Non. Maintenant, on va suivre la route pour arriver à Apple Creek. Ouais, théoriquement, voilà. Je suis juste à côté de Apple Creek. Et pour aller en ville, je prends celui-là ou l'autre. Je vais prendre celui-là. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je m'en ai loin? Non, ça a l'air d'être ça. Normalement, en bas, il doit tourner à gauche. Voilà. Et voilà. Enfin, j'arrive à Fall Creek. Fall Creek, c'est qui? Avez-vous vu un chien dehors? Non. Non, des loups, oui, mais pas de chiens. Non, des loups, ah, mais pas de chiens. Eh bien, le forgeron offre une récompense pour un chien qu'il a aperçu sur la route. J'espérais que vous l'aviez vu. Je crois que je vais rester de garde. Ne vous attirez pas d'ennui tant que vous serez là. Toi qui es passé par la route, t'as vu un chien? Des ennuis? Faut que je m'adresse à Lod. De toute façon, fallait que j'aille le voir, leur forgeron. Alors là, c'est la Syrie. On va faire le tour de la ville. Hein. La Syrie. Je suis arrivé de par là, d'accord. Ouais, c'est l'Empire ici. Là-bas, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est l'arrière de la Syrie, d'accord. Ici, c'est un paysan. Là, il y a quoi? Putain. Ferme du grand voyage, d'accord. Oh là là, comment je suis déjà perdu dans cette ville. J'ai découvert trois bâtiments et je suis déjà perdu. Auberge du mort de soif. C'est ça la maison de Dangir. Et où son entrée à lui? Mais ça fait deux fois que je fais le tour de sa baraque que je ne trouve pas l'entrée. Oh putain. D'accord, maison de Dangir. C'est qui toi? Les étrangers tels que vous n'apportent que la guerre. Ce sont les fils et les filles des Pervines qui sont enterrés là. Ah, je vois le forgeron. Toi, qu'est-ce que tu me dis, toi? Essayez de ne pas juger Pervines trop sévèrement. La guerre nous a fait beaucoup de mal. D'accord. Là, c'est la longère du Jarl. Des ennuis? Elle est super grande, cette ville. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Bon, j'ai vu mon forgeron. Merde, j'aurais dû y aller. Hein. C'est maintenant pour le retrouver. Ah ben. Non, c'est toi qui cherches ton chien. Avez-vous vu un chien sur la route? Non, je regarde. Belle bête puissante qui rôde près de la ville. Le garde à la porte m'a parlé d'un chien. J'ai demandé au garde de la porte de le chercher. Je ne peux pas me permettre de lui courir après. Et pourtant. Un animal loyal et féroce me ferait une bonne compagnie.
Si vous acceptiez de me le rapporter, je vous donnerai de la viande fraîche pour l'attirer sur la route. Bien sûr, je peux l'attraper, oui. Il y a de l'or à la clé si vous réussissez. Voilà la viande. Surveillez la route juste en dehors de la ville. Ouais, ok. Et par contre, moi, je voudrais vendre des objets. Mais la loyauté, c'est encore mieux. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Ouais. Vends ce que tu peux vendre. Moi, je vais te vendre du bourdel. L'arc de chasse béni, je peux te vendre. L'armure de verre, je sais pas trop. Celle-là, je vends. Altération, je vends. Et voilà, t'as plus de sous. Eh ben, c'est plus rapide, t'es. Non, non, mon effet de lame, j'avance surtout pas. Malheureux. Venez me voir à la forge, si vous avez besoin d'armes ou d'une armure. Je suis derrière vous. Qu'est-ce que tu transportes, toi? J'ai juré de porter vos fardeaux. Mais tu transportes pas grand-chose, toi. C'est ça qui m'énerve. Un arc-orc que je vais pouvoir vendre, c'est en santé, ça fait rien, et là, tu transportes rien. Mais c'est lourd que ça, ton armure et ton équipement, en fait, qui est trop lourd. Il va falloir que je fasse un équipement aussi, à un moment donné. Passez devant, je vous suis. Alors, la longère, moi je vais m'occuper de ce chien, moi. On a les quêtes. Bon, non, je trouverai une autre fois le chien. Je l'ai activé. J'ai vendu un petit peu de mon bordel. J'ai un peu de chardon. Je disais donc maintenant que j'ai traversé cette ville. Une boutique. Oh, bêtin. Attends. La boutique, est-ce qu'ils peuvent m'acheter des trucs? Pas à croire que les provinciaux comme vous aient le droit d'aller où ils veulent en bord de ciel. Eh oh, ça va toi, hein? Bien le bonjour. Contrairement à mon frère, je n'ai rien contre les étrangers. J'en ai rencontré beaucoup quand j'étais un sombrage. Vous étiez un sombrage? Vous êtes un sombrage? Je l'ai été, mais plus maintenant. J'ai été blessé au cours d'une escarmouche aux abords de Vendôme. Cela dit, ça remonte à un paquet d'années. Peut-être que je ne porte plus les armes au nom d'Ulfric. Mais je partage toujours ces idéaux. Bord de ciel est une contrée nordique, c'est nous qui devrions la diriger. Nous n'avons pas besoin de l'aide de l'Empire pour ça. Vous avez parlé d'un frère, qui est-ce? Il s'appelle Bolund. C'est lui qui travaille dans la Syrie près de la rivière. Oui, c'est celui qui vient de sortir. Si vous le rencontrez, n'espérez pas des discussions enflammées. Il n'est pas très causant, surtout avec les gens qu'il ne connaît pas. Bon, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as à vendre? Regardez donc. Soulaf. Ah, ben c'est bien ça, tu vas pouvoir me prendre encore un peu de bordel. Je te filer ma dague de fer qui m'embête, mon bâton de flamme qui me les brise aussi, le bâton qui me sert à rien. Je te filer quoi? J'ai plein de bordel. Le collier de port-glace, on s'en fiche. Je peux faire mieux. Magie majeure, on s'en fiche. Voilà. Le chapeau. Non, je le vends parce que je vais me fabriquer une capuche. Ça protège. C'est au moins la... les capes, je peux te les vendre. Tiens. Ben, je te les donne en fait, vu que t'as plus d'argent depuis un moment. Des capes, je m'en ferai. Ouais. Hop. Ça, c'est bon. Je me garde une cape brune. Non, je peux vendre ça. Oui, je suis sur la cape verte, s'il te plaît. Voilà, c'est une autre cape que je file. L'armure de verre, non, je la garde quand même. Si vous me volez quoi que ce soit, vous... Ah, j'aurais aimé entendre la fin de ta phrase. Je vous sers quelque chose? Non.
Alors, je voulais augmenter mon niveau. Donc à être là, hein. Et je vais augmenter ma vigueur. Et le prochain niveau, j'augmenterai. Voilà, là, l'illusion, qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Bon, enfin bref, je ne peux pas. Merde, mais là c'est le chien, c'est pas le chien que je vais aller trouver, c'est... Bon, mais tant pis, j'ai trouvé le chien avant d'aller trouver les fragments de la dague. Salut. Petit chien, t'es où? Ah mais il est là. Vous me cherchez. Enfin, vous m'avez parlé. Le ciel est infesté de gigantesques lézards volants et d'hommes chats à deux pattes. Et c'est moi qui te surprends. Oui, je parle. Et je n'ai pas terminé. Je m'appelle Barbas. Et tu pourrais sûrement m'aider à régler un problème. Ben, dis toujours. Bien, de quoi est-ce qu'un chien pourrait avoir besoin? Moi, nous sommes disputés. Le ton est monté et la situation a dégénéré. Je suis banni jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour nous départager. C'est là que tu entres en scène. Merci. Depuis qu'il m'a banni, le ville est très affaibli. Le ville, c'est qui le ville? Il est impossible de s'éloigner de l'un de ses temples. C'est un des draps. Je sais qu'on le vénère à la honte des mares. Nous devrions pouvoir l'y trouver. Si le plan fonctionne, tu seras récompensé. Tu ne dois cependant accepter aucune de ses offres, c'est compris? Ouais, ok. Bon, c'est Ville Clavicus. Ou un truc comme ça, son nom. C'est un autre des draps, ouais, c'est ça. Ville Clavicus, en compagnie de Barbas. Et c'est où ça? La honte de machin là. Je l'ai traversé en allant. La honte des mares. Mais il est parti où le chien là? Elle est pas active la quête ou quoi? Un des draps pour ami. En Daymar, ben, j'ai déjà été. C'est ça, hein, c'est celui qui est dans la. En compagnie de Barbas. Ouais, mais Barbas il est mignon, il faut absolument que j'y aille maintenant, non? Non, j'y retrouverai. Moi je suis venu pour chercher les fragments d'une dague. Alors. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui. As ya. Voilà, fragments de mandag, ils vont être par ici. Bon, c'est en ruine, ça m'arrange. Il n'y aura pas trop à visiter comme ça. Ah, je vois quelqu'un déjà posté là-bas. Objet. Pardon, je voulais voir carte d'abord. Il faut que je récupère la lame. Les morceaux de la lame. Et maintenant, je vais voir les objets. Le cœur de dragon. Non, c'est pas celui-là. Oh, je l'ai plus le bouquin. Avertissement, c'est pas ça. L'air du cœur sombre. Comment ça s'appelait ce qu'on a bouquin? Si tu perds notre autorité, notre ombre t'éropée. Oh là là, je l'ai plus le bouquin. Tant pis. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je pense que ça doit être un brigand. Hop, j'ai réussi à sauter. Des orques.
Oh, j'ai pas réussi. Oh non, elle me dit pas que je vais me retrouver recoincé encore. Oh, quand même. Tiens, c'est un chasseur? Merde, je croyais que c'était des brigands, moi. Bon, bon, ben tant pis. Orc chasseur, ouais. Orc chasseur. Je récupère sa cape, son or, c'est beau. Bon. Forge d'armure légère. Ah, je l'avais déjà. Dommage. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Le minerai. Oh, une épée de verre. Ça se prend, ça. Forge de casse-corne. Ah, mais. Il me semblait bien entendre quelqu'un. Fais demi-tour. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Oh le con. Bah, tout le bordel qu'on a fait, tu m'avais pas vu avant. Eh ben, vous êtes de super bons gardiens, dites-moi. Oh putain. C'était planqué où? Qu'est-ce que tu as toi, un dépôt? Dépôt, dépôt, dépôt. Ah merde, j'ai pris ses chaussures à la con. Hop, un coup de trop. Chaussures de fourrure, hop, on lâche. Hop, ça c'est fait. Ici, il y a quoi? Un code de Malakat. Dans le code, c'est bon, j'ai son arme déjà. Bon, ben, je rentrerai par cette porte. Je serais pu rentrer par le côté, mais bon.